S'agissant des dépenses, les autorisations parlementaires ont porté sur des crédits budgétaires de l'ordre de 6 746 milliards de francs congolais, dont 4 585 milliards à financer sur ressources internes et 2 161 milliards à financer sur des ressources extérieures. Tenant compte du niveau de recettes réalisées, les dépenses ont été exécutées en concurrence de 3 515 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 52,1%, mais l'ajustement par la dépense s'est fait néanmoins au profit notamment 1. Des dépenses salariales qui ont été exécutées à 99% des crédits votés. Au profit, deuxièmement, des dépenses d'investissement sur ressources propres exécutées à près de 102% des crédits votés. Troisièmement, au profit des dépenses de fonctionnement des institutions exécutées quant à elles à près de 166% des crédits votés. Enfin, au profit des dépenses exceptionnelles sur ressources propres qui intègrent les dépenses relatives et notamment à l'organisation des élections présidentielles et législatives de 2011 exécutées à concurrence de près de 133% des crédits votés.